pas du tout un magasin, c'est pas du tout une boutique. Comme son nom l'indique, c'est une galerie. Donc ça se réfère plus à un endroit, un lieu de vie, en fin de compte. Donc c'est un lieu d'expérience, c'est un lieu d'expérience autour du cristal. Donc c'est une galerie qui est réalisée pour le cristal. Donc tout est en cristal ici. C'est un lieu qui change très souvent et qui donc reçoit à la fois des artisans, des artistes, des designers et aussi donc de grandes marques importées. Parce que c'est quand même un lieu de luxe, quand même de très haut niveau, où l'on reçoit des pièces qui sont vraiment, vraiment uniques, qui rejoint encore le concept de galerie, et des pièces qui sont très particulières, très spéciales. Ce qui est intéressant, c'est de travailler à chaque fois sur un concept unique, sur un concept particulier. On a un propriétaire, quelqu'un qui a un rêve, qui a une idée, qui a une envie. Et donc, nous, en tant que designer, on se dit, OK, tous les deux, ensemble, on va essayer donc de mettre ça en lumière, de révéler un petit peu ce que l'on a derrière la tête. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose que j'aime. J'aime travailler avec les gens et faire en sorte d'extraire ce qu'ils veulent donner et puis de le rendre réel. Et donc, on a voulu travailler sur un univers très béton, très rough. Donc, on a une peinture qui est assez élégante quand même, mais qui rappelle quelque chose d'assez rough, d'assez béton. Et on est dans un univers aussi très minimal, puisque tous les cristaux, les chandeliers que l'on a et les pièces, les accessoires sont quand même assez chargés pour le marché chinois. Moi, j'aime beaucoup les mélanges. J'aime beaucoup les mélanges. J'aime provoquer les choses, j'aime l'émotion, en fin de compte, dans un endroit. J'aime que la personne, quand elle rentre dans un endroit, elle se dise « Ah, c'est intéressant, il y a quelque chose qui se passe, je ressens quelque chose. » Ce que j'aime, c'est provoquer de l'émotion à travers soit un objet, soit un intérieur. C'est vraiment ce qui me fait vivre et ce qui me plaît. Si je ne crée plus d'émotion, en fin de compte, je pense que je pourrais changer de métier. We have a copy, if you like, the 100 most famous diamonds in the world. And we have reproduced them in the same size and same color, but obviously using crystals, you know, glass and crystal. But see some of this collection here, they are the exact replicas, you know, in terms of the color and the size of the 100 most famous diamonds. Crystallized me and Bulgari, we have been in this market, Chinese market, for over 11 years, and we always aim for the high-end customers. It's a B2C experience. The reason for this is I think our service is one of the most important things of our company. So we prefer to give this service directly to the customer so the customer can appreciate us. So we will continue our efforts to work like a real international luxury brand, and hopefully you would hear more about us, you know, from Crystallize Me.